Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et bienvenue pour ce 27e épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest avec cette excellente nouvelle en ce début d'épisode. Nous sommes au jour 61, 8h34 et la neige c'est terminé. Alors une excellente nouvelle pour moi puisque en réalité j'ai vu vos commentaires, vous adorez la neige, vous aimez la neige, vous trouvez ça trop beau mais je suis désolé. Wesh, on va se calmer. Je préfère quand même quand il n'y a pas de neige. C'est joli certes, hein, mais là c'est quand même mieux. En plus, du coup, eh ben, on a de l'eau. Et ça, c'est chouette. Et ça, ça fait plaisir. Et en plus, du coup, on a plus froid. Et ça, c'est cool également. Voilà. Alors les amis, j'ai fait quelques petits trucs en off avant de démarrer dans le vif du sujet. Regardez-moi ce joli petit chemin là. Quand il n'y a pas la neige, on voit super bien, c'est chouette. Bon, j'ai préparé la nourriture. Poisson cuit, voilà, on est bon. Je croyais qu'il était cramé, j'ai eu un petit peu peur. Voilà, j'ai préparé déjà de la nourriture. Une petite chose à savoir, c'est que je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais alors j'ai pas filmé, mais il y avait un mutant, enfin un mutant, un cannibale qui se promenait ici. Alors, qui se promenait ici, c'est un grand mot. Justement, la subtilité. Et les bruits d'ambiance là qui craquent, ça m'a un petit peu angoissé. Surtout justement parce que j'ai peur maintenant. Ici, présentement, où je suis, là, il y avait un cannibale. Enfin, un indigène, pardon. Voilà, un indigène qui était là. Mais, il m'a attaqué quand je me suis approché. Cependant, bon, je l'avais tué. Cependant, je l'ai pas vu marcher, se promener. Je l'ai pas vu venir, ni rien. Il était vraiment figé ici. Et il m'attaquait quand je l'approchais. Donc la question que je me demande, c'est est-ce que pendant que je faisais des trucs là-haut, il a peut-être spawné ici? Ou alors vraiment il est venu, et dans ce cas là s'il est vraiment venu, ça fait un peu flipper. Bon, après c'est pas si grave. Il suffit de placer quelques bûches et on peut avoir un mur défensif ici. C'est pas gênant. Mais quand même, ça me fait un petit peu peur. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai fait en off? Bon, je me suis amusé à faire un totem parce que je savais pas quoi faire de ses jambes. Bien que quelqu'un en commentaire m'avait dit qu'on pouvait faire une soupe. Alors faut que je retienne ça. Avec les nouveaux indigènes, on peut faire une soupe qui fait des effets secondaires apparemment incroyables. Voilà, donc très bon à savoir. J'ai fait quelque chose les amis, et ça se passe au niveau de la tyrolienne. Oh purée de pommes de terre, est-ce que je vais réussir à monter? C'est ça la vraie question. Voilà. J'ai fait une tour de guet, mais pas seulement, je vais vous montrer, c'est dingue. Allez, on monte. Cette tour va nous permettre dans un premier temps d'accéder ici en toute sécurité et de voir ce qui se passe. Dans un deuxième temps, j'ai créé cette tour ici. Alors j'avais commencé par celle-là en premier d'ailleurs. Cette tour, justement, la vraie tour de guet, j'ai envie de dire, qui nous permet d'être en sécurité en haut et de voir ce qui se passe en bas. Alors, d'ailleurs, je vous le dis, là, je vais vous poser la question, après c'est vous qui me direz, mais ça c'est la tour. Ce que vous voyez à côté là, tout ça là ici, c'était pour me permettre de monter les bûches. J'ai fait un truc à la one again, hein. A chaque fois je montais les bûches par là, tac tac tac, enfin vous voyez, c'est pas facile, hein. C'est pas Minecraft évidemment. Donc il a fallu que je trouve un moyen de monter. Avec la tyrolienne ça marchait pas. Donc est-ce que je laisse, parce que c'est toujours pratique pour monter, ou est-ce que j'enlève ça? Voilà, dites-moi en commentaire, je sais pas. Après ça permet aussi de faire une sorte de fondation pour que la tour tienne. Voilà, à vous de me dire. Et la vraie priorité entre guillemets que j'ai commencé à faire, j'ai pas fini parce que c'est chiant, c'est donc ce temple, entre guillemets, si on peut appeler ça temple, en pierre donc, qui va nous permettre de faire nos améliorations d'armes ici. Non pas en toute sécurité, mais en tout cas, ça permet voilà, de faire un petit truc assez sympa. Après, on pourra toujours se mettre en sécurité là-haut pendant que les monstres arrivent, ça c'est vrai aussi. Hein. Donc j'ai commencé à faire des trucs en pierre, j'ai fait donc un escalier ici. D'ailleurs, je vais vous montrer une astuce de ouf pour ceux qui jouent à Sons of the Forest. J'ai découvert ça tout seul, comme un grand. C'est quoi ce bruit? Wesh, même dans la vraie vie. Ah! Putain, Virginia. Oh la vache. Ça fait peur. Je vais vous montrer une astuce de ouf pour faire ça. En gros, vous voyez comment j'ai fait ça. Alors, je vais enlever ça pour que vous compreniez. Voilà. En gros, vous placez. Attendez, j'enlève tout. Ça y est, j'enlève tout, je vais tout vous expliquer. Hop. Allô? Pourquoi je peux pas prendre? Pourquoi je peux pas prendre? Qu'est-ce que j'ai de fantaisie? Bah voilà. Bon bah vous avez vu comment j'ai fait. Voilà, donc en fait tout simplement tu fais ça, tu fais tes piliers comme ça.
tranquillement. Et ensuite, tu viens prendre ça pour consolider là. Bah non, du coup, il suffit juste d'enlever là. Alors là, je peux pas enlever. Parce qu'il faut mettre ça. Et une fois que t'as mis ça, tu peux enlever là. Du coup, forcément, ça tient. Et si t'enlèves là, hop là. Et voilà. C'était les astuces de Mkolo. Vous l'aurez compris. Donc, voilà. T'enlèves ici. Et t'enlèves ça. Et ça fait ça. Et c'est vraiment formidable. J'ai mis un piège à lapin ici. Voilà, c'était pour essayer. Voilà, il n'y a pas de lapin de toute façon. Bon, bah les couilles. Mais j'ai voulu quand même essayer. Voilà. Bon, malheureusement, on peut pas faire d'escalier en pierre. Sauf si je me trompe. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire. Mais je ne sais pas faire. Alors après, je peux faire comme ça. Mais non, ça marche pas. J'ai essayé de faire bout par bout. Ça marche pas non plus. Donc, faut qu'on utilise du bois. Ça, c'est clair et net. Et du coup, je pensais aussi à faire carrément. Alors, vous m'en direz des nouvelles. J'ai mis donc des piquets de défense ici. Mais ça sert à rien. En fait, je pensais carrément à mettre des murs défensifs tout autour ici de la structure. Et entre deux, il y a ces pièges là, tu vois. Donc ça peut être pas mal quand les vilains arrivent. Alors bien sûr, la structure n'est pas terminée, hein, évidemment. Même si ça lui fait un certain style. Très particulier ces orages. Bon, parlons peu, parlons bien les amis. On va se rendre à nouveau dans la grotte dans laquelle nous étions dans la dernière vidéo, puisque j'ai loupé le deuxième artefact du patch numéro 13. Et ensuite nous irons chercher les plans de construction, puisque vous m'avez guidé et je me suis également renseigné. Je sais où on les trouve. Ah, je vais pas faire un coup de gueule envers le jeu, on en parlera plus tard, mais j'ai des trucs à dire quand même. Cependant, on va pas perdre plus de temps que ça, et donc on va aller là-bas de nouveau. Donc on va y aller en delta plane. Faut qu'on trouve des ampoules également, hein, parce que vraiment il faut qu'on termine ces constructions là. Ce serait vraiment chouette. Par contre, je vais prendre des trucs sur moi à manger comme d'habitude. Hop là. Parce que sinon ça va être un petit peu chiant. La marmite, elle est bien là. On a toujours pas mis le stand de tir, mais on le fera aujourd'hui. Je vais essayer de pas oublier. Hein. Je vais essayer de pas oublier. Alors on va prendre 3 ramen, 5 boissons énergétiques parce que je suis parano maintenant. Voilà, faisons-nous plaisir. Autant prendre plus que pas assez, parce qu'en vrai merde, j'espère que j'en ai pas fait tomber trop. Là je pense que j'ai ce qu'il faut, hein. En termes de nourriture c'est bon, en termes de boissons j'ai 5 boissons énergisantes, j'ai de l'eau sale, c'est déjà ça. En vrai c'est déjà ça. Attends, j'ai des bourses. Ah bah oui, je me suis fait attaquer par des méchants moi aussi en off, hein. Pendant mes constructions, faut pas croire, hein. Alors on va ouvrir et on va partir. Voilà, c'est chouette ça. Oh, des médicaments, let's go. Impec. Comme ça au moins j'ai 6 médicaments. L'armure, regardez, je me suis fait péter l'armure, hein. J'ai plus aucune armure, hein. C'est pour vous dire, hein. Donc ça craint. Aussi, vous savez les aveugles qui... Je peux plus les dépecer. Je peux plus dépecer les mutants aveugles. Eh ben oui. Eh ben ça c'est dû au patch numéro 13. On peut plus dépecer les aveugles. Voilà, c'est pas une blague. C'est chiant. C'est compliqué. Bref. Bon, allez, on va y aller. De toute façon, j'ai pas d'os. Putain, pourquoi j'ai pas fait d'armure en os et tout avec les mutants justement que j'ai. Putain, mais je suis trop bête. J'avais oublié, j'ai pas anticipé. C'est pas grave. Allez, perdons pas plus de temps. Ici, on va vraiment se faire un accès pour monter parce que ça commence vraiment à me saouler. Et vous savez quoi? Tant pis. Je trouvais ça moche. Oh mince. Oh ouais, non, mais ça c'est débile. C'est débile ce que je viens de faire. Oh non. Oh non, c'est chiant. Bon, bref, tant pis. Mais voilà, on va laisser ça là parce que c'est quand même bien plus pratique. Voilà. Allez. Oh là, ils m'ont fait peur. On dirait des titans, frère. On dirait des super-héros qui viennent de je sais pas où. Allez, les amis, on y va. Je vous fais une coupure le temps d'y aller parce que, bon, vous avez déjà eu tout le trajet dans la dernière vidéo. Donc, on va pas. Je vais pas vous le reproposer en vidéo. Pas de panique, et en plus la pluie s'arrête, c'est chouette ça. Wouh! Allez les amis, je vous dis à tout de suite. On se retrouve donc dans la grotte D, la grotte où il y a le grand lac. Sauf que on va passer cette fois-ci par la sortie. Voilà, on va passer par la sortie. Faites-moi confiance. À tout de suite. Oh, c'est magnifique. On se croirait presque sur Flight Simulator. Bon, j'exagère un peu. Par contre, est-ce que je vais réussir à passer?
Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on va réussir à passer? Ah, j'ai mal anticipé. Oh, ça passe, ça passe. Et nous voici sur le grand étang qui était gelé dans le dernier épisode et qui ne l'est plus. Et ça, ça fait plaisir avec les élans. Juste ici, l'entrée de la grotte, donc juste en face. Mais nous, on va passer par la sortie cette fois-ci. Alors, souvenez-vous, avant, on ne pouvait pas passer par la sortie. Mais entre-temps, la grotte a donc changé. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais laisser le deltaplane ici, puisqu'on redécollera ici, directement. Voilà, pas de problème. Voilà, on redécollera là. Parfait. On va passer par la sortie pour la simple et bonne raison. Je me suis renseigné en amont, avant de parler de vos commentaires qui m'ont extrêmement aidé. Mais je m'étais renseigné justement. Et au final, de fond en comble, en tout cas de manière générale, j'ai tout exploré de la grotte. Aussi fou que ça puisse paraître. Alors souvenez-vous, le moment, à partir du moment où j'ai vraiment paniqué et que j'ai rush la grotte, c'était la grande, quand il y avait la grande place avec de l'eau. Et on pouvait marcher sur des trucs métalliques et c'était super grand. Il y avait les trucs qui sortaient de terre, les démons qui sortaient de la terre. C'est à partir d'ici que j'ai paniqué et je me suis dit que ici j'aurais pu louper des trucs. Et franchement, a priori j'aurais rien loupé ici. C'est plus loin que j'ai loupé donc des passages en voulant échapper aux démons. Mais c'est plus proche de la fin que du début, a priori. Voilà, et ça c'est grâce à vos commentaires que je le sais. Donc, je suggère de passer par la sortie puisque apparemment on peut le faire. Et comme ça au moins on n'a pas besoin de tout se retaper. Même si à mon avis on va quand même prendre cher. Oh, il y a un aveugle là-bas. Et on peut plus les dépecer ceux-là, c'est chiant. Je sais pas si vous l'avez vu. Très très chiant. Oula, j'avais pas anticipé ça. Comme ça. Très bien, bah écoutez, en plus j'ai en profité pour boire l'eau. Juste ici. Même si c'est pas bon, ne le faites pas bien évidemment. Mais là c'est vraiment de la survie extrême. Et voilà, c'est parti, on va rentrer dedans. En plus, on a la bâche qui va nous attendre. Impeccable. Alors, je sais plus si on a beaucoup de piles ou pas. Ouais, superbe. Superbe. Raccourci clavier, messieurs, dames. Je pense qu'on en aura besoin. Alors, on va faire comment? Torche. Croix. Le flambeau, j'ai déjà un raccourci clavier. Ouais. Bah écoutez, ah et puis les armes, le fusil à pompe là. J'ai mis la croix le 3. Ouais, bah je vais mettre le fusil à pompe en 4. Ok. Ça devrait aller. La croix. Le fusil. D'ailleurs je vais le recharger directement. Je préfère prendre mon temps les amis. Et le flambeau qu'on va allumer. Ok. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Ah, il faut faire des économies de piles quand même. Oh purée. Je me chie dessus, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi je me chie dessus comme ça? En fait, le fait de le faire dans l'autre sens, je sais même plus à quoi m'attendre. Complètement dingue. Quoi? C'est une blague? Je suis censé venir d'où là? Attendez, c'est une blague? Mais non, mais. Attendez, mais je viens bien de là? Y'a la bâche. Attendez, c'est quoi cette histoire? Je me suis fait arnaquer, c'est ça? Je me suis fait arnaquer. En fait, on peut quand même pas le faire dans l'autre sens. Mais non. Alors ça change absolument tout. Oh, ils sont trop forts. Ah non! Faut venir de là. Ah non, c'est bon. Ok. Oh, je suis trop con. Ouais, j'ai eu trop peur en vrai. Oh, je me suis dit, bah non, je vais quand même pas tout refaire. Superbe. Bon. Eh ben, j'aurais pu tout recommencer en plus, hein, si j'étais un petit peu teubé. Mais je me souvenais plus de ce passage-là à la fin du truc. Mais bon, pourquoi pas. Moi j'aime bien.
J'aime bien. Bon. Ce qui est chiant, c'est que tous les trucs à récupérer sont là où il y a les démons. Mais bon. Et pas, pas au grand truc super grand là. Enfin bref, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais je sais ce que je veux dire. C'est l'essentiel. Allez, sors. Alors. Voilà. Grosse ambiance par ici. Grosse ambiance par ici. Bien le bonsoir. Bon, le bébé. Voilà. Ah oui. Il y en a quand même pas mal. Bon, faut faire gaffe parce que c'est traître. Vas-y, saute. Allez. Oh, ça va me tendre. Voilà, c'est bien, ça s'attaque entre eux. On va essayer de tout sécuriser au maximum. Ok. C'est bon. Alors, on va manger. Excusez-moi si ça vous fait peur l'inventaire à chaque fois. On va manger un petit, une petite barre énergisante. Je pense que c'est bien pour se mettre à point là, comme ça. Voilà. Et une petite huître pour le plaisir. En plus, j'ai mangé des fruits de mer hier. Voilà. Tout le monde s'en branle. Oh, c'est pour essayer de détendre l'atmosphère. Faut aller où là? Vas-y, je vais aller là. Ok. Je suis où là? D'accord. Ça revenait au même. Ok. Bon, mais on va avancer. Moi, les démons, ils me font peur. Comment faire pour tuer mes démons? Salut, mec. Comme un ange en enfer, je dis mon nom. Genre, je peux le dépecer? Ah non, je peux pas. On est bien d'accord. Je vais essayer de chanter pour me détendre. Je suis désolé, ça doit être agaçant, mais je vais chanter, je pense. Ça va me faire du bien. Franchement. Oh oui, ça va être là juste après. Parfait. Eh ben, j'ai bien fait de commencer dans ce sens. Franchement. J'ai bien fait de commencer dans ce sens parce que c'est ici que ça va se passer, messieurs, dames. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que je vais manger un petit pack MRE. Voilà. Impeccable. J'aurais bien aimé avoir une armure. Bon. Messieurs, dames, c'est ici que... Bah c'est en haut là, bah, les gars. Pourquoi y'a pas de méchant? Oh. J'ai. C'est bon, j'ai. J'ai le premier plan. Mais pourquoi y'a pas de méchant? Attends, tant mieux, attends, attends. T'excites pas. Il faut vite que je monte. Comment on monte? Il faut juste monter là-haut. Non? Oui, là? J'arrive pas. Alors c'est pas là. Si, c'est là. C'est là. Oh mec. Let's go. Let's go. Let's go. Ok, on a l'artefact. Allez. C'est beaucoup moins épique que ce que j'imaginais, mais ça me plaît. Oula. Ok. Bah écoutez, on va essayer de retrouver la sortie. Parce que c'est bon. Je suis un génie. Eh, je suis un génie. Elle est où la sortie? Elle est là-bas. C'est de là que je viens. Let's go. Je suis un génie. Je suis un génie. Alors, vous savez que j'aime bien dire ça. Pardonnez-moi. Mais sucez mes boules, hein. Incroyable. Allez.
Et c'est sans difficulté que nous allons ressortir de la grotte, puisque messieurs dames, nous avons fait le tour officiellement. Bonjour monsieur. Incroyable, il n'y a pas eu les démons. Il m'entraîne. Il n'y a pas eu les démons les gars. Et vous savez pourquoi? Je pense avoir compris et j'ai brain le jeu et je suis trop content. Donc attendez, cette fois je vais passer par là pour changer. Qu'on soit bien d'accord. Voilà, ça revient au même. Oh! Oh! Une grenade. Ah ok. J'ai encore trouvé un truc secret. Superbe. Oui, si, c'est par là. C'est de là que je viens. C'est bon, allez hop. Allez. Alors, je pense avoir brain le jeu. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Voilà. Je pense avoir brain le jeu parce que ben, forcément quand on le prend dans le bon sens. Enfin dans le bon sens, dans le voilà, dans le bref, comme dans le dernier épisode hein, on est rentré par en haut. Sauf que maintenant la nouveauté, les démons, vous avez vu, les démons ils apparaissent en sortant de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc il y a une longue animation avant qu'ils spawnent. Et ils spawnent pas comme ça. Et du coup, comme je suis passé par de l'autre côté, je pense. Bah, au final, c'était pas leur lieu de spawn. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle pas français, je sais. Comme là, admettons, les monstres ils spawnent n'importe comment, n'importe où. Attends, il est quelle heure? 15h, on peut sortir. Les monstres ils spawnent n'importe comment, n'importe où. Sauf que les démons, à mon avis, maintenant comme ils sortent du sol, ils ont des endroits prédéfinis pour sortir du sol, justement, vous voyez. Et du coup, je vais sauvegarder. Et du coup, ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que c'est complètement dingue. Et que, tout simplement, c'est quand même bien quand il n'y a pas de neige. Hein. On va monter pour prendre le delta plate. Tout simplement, bah, je les ai pas fait spawn. Voilà, enfin c'est clair et net. Je pense que vous avez compris. C'est du génie. Je suis heureux. Voilà, je suis content. Alors on a découvert un nouveau plan de construction. On découvrira plus tard ce que c'est là. On va pas s'attarder dessus. C'est pas l'endroit ni le moment. Il y en a 3 du coup à découvrir pour ce patch. Donc on en a 1 sur 2. Enfin 1 sur 3. Donc il en reste 2. Et les 2 autres, je sais où ils sont. Et en plus on a eu l'artefact d'ailleurs. Le deuxième artefact. Donc ça fait 4 artefacts d'ailleurs. Ouais, ça fait beaucoup d'informations, je sais. Ah! Ok, superbe. Ah oui, non mais là les gars, ils sont un petit peu nombreux là. Ils sont même carrément nombreux. Ils sont même carrément nombreux. Voilà, je pense que le pompe sera plutôt adapté pour dissuader. En plus, il est en or. Hors de ma vue. Bref. Tu es tilté, Boubou. Ah oui, non, mais on peut pas monter par là. À chaque fois, je me fais avoir, quoi. Ouais, bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oh, mon Dieu, je me perds. Je me perds, les gars. Ah oui, donc voilà, vous m'avez expliqué où sont les deux autres plans de construction. Et c'est là qu'on va faire, enfin que je vais me permettre de faire juste un tout petit coup de gueule, entre guillemets. C'est un coup de gueule sans vraiment être un coup de gueule. Mais un coup de gueule envers le jeu, bien sûr, pas envers vous, hein, envers le jeu. Parce qu'il y a un truc qui me plaît pas. Voilà, on va en parler. D'abord, on va aller chercher ces fameux plans de construction. Ok. Après ça dépend si le soleil va vraiment se coucher 16h, ouais, le temps qu'on rentre à la base. De toute façon il faut qu'on passe par notre base hein. C'est à l'opposé d'ici hein, les gars. Donc déjà là c'est la blague hein. C'est que vraiment ils ont ajouté des trucs à l'opposé chacun. Ce qui est bien aussi hein. Mais c'est à l'opposé d'ici. Donc voilà, on va passer par la base. On va dormir, regardez moi cette vue idyllique. On va passer par la base, on va dormir. Et on va enchaîner. Des démons, bonjour. Au revoir. Bah voilà, ils étaient là les démons. Voilà pourquoi ils étaient pas dans les grottes. Bande de grosses merdes. Y'a combien de balles dans le fusil? J'en ai tiré 5. Oh, ils sont morts. Est-ce que je peux les dépecer? Oh ouais. Ça c'est bien ça. Par contre les 3, 4 démons. Ça veut dire une balle, un démon. Ok.
Bah y avait pas de raison d'avoir peur alors. Dans la grotte, il suffit juste que je tire dessus quoi. Ok. Mais c'est vrai que les démons ils font peur en vrai hein. Mais avec un bon fusil à pompe ça marche. Heureusement on peut les dépecer hein. Ok. Ah du coup je sais plus ce que je disais, c'est chiant. Allez salut. Oh il y en avait un autre là. Wouhou. Allez on va prendre de l'altitude. Ils vont se détendre là les animaux là. Et on va rentrer du coup à la base les amis. Je vais prendre de l'altitude et je vous retrouve directement à la maison. Ce sera bien plus simple également. Je pense que vous avez assez vu de Deltaplane. Vous connaissez ma technique en plus hein. Regardez la hauteur que je prends quand même. C'est... Après plus je le fais et plus j'ai l'habitude. Et ça c'est chouette. Franchement c'est chouette. Parce que j'ai quand même galéré, souvenez-vous hein, durant certains épisodes. Vous voyez, faut pas avoir peur de monter. Franchement faut pas avoir peur de monter. Voilà et après tu redescends. Et en vrai je vais pouvoir y aller comme ça directement. Ça va passer crème sans aucun problème. Allez les amis, à tout de suite. Oh attendez, il y a des tentes là. Wesh. Attendez, c'est... j'ai jamais vu ces tentes. Ok attendez, changement de plan. Je vous reprends alors que je viens à peine de faire la coupure. Ah vraiment vous n'avez quasiment rien manqué hein, je vous le dis. J'ai jamais vu ces tentes. Comme quoi, ah il y a un delta plane en plus. Il y a un delta plane là-bas. J'ai jamais vu ses tentes. Ça se trouve ça va être très décevant. C'est même très décevant. Oh j'ai cassé mon élan pour ça là. Oh j'ai trop le seum. Il y a que dalle. À part un delta plane quoi. Super bah je... Super on a découvert un truc au moins. Jamais vu. C'est formidable. Allez les amis. Wouhou. A tout de suite. Eh les gars, je suis tellement content. Regardez la hauteur que j'ai. La base, elle est juste là-bas. On voit le truc en surbrillance. Je suis tellement content de savoir voler maintenant. Franchement, hein, je galérais avant et là, je suis super haut, quoi. C'est un truc de zinzin. Vraiment, on va faire un défi. Essayer d'aller le plus haut possible à un moment donné. On va vraiment le faire, les gars. De même, voir ce qui se passe quand on s'éloigne trop de la mer. Dans la mer, voilà, on ira voir. Hop, on va se poser en douceur ici. Alors ça, j'ai peut-être un petit peu mal visé mon lieu de chute. Ça c'est clair et net. Hop, on va poser ça là. Pas de méchant en vue, c'est bon. Et on va descendre directement. Alors j'ai la tyrolienne mais ça me fait un peu peur. Je vais être honnête avec vous. Allez, on essaye mais je vous montre le problème. Regardez bien, ça va faire très peur. Regardez. Ah ça va, on a de la chance. Non parce que des fois ça me téléporte un petit peu plus loin et c'est flippant. À tout moment tu tombes. Bon, on est bien arrivé à la base, on va dormir. Avant de dormir, je vais vous dire du coup où se situent les deux plans de construction. Et bien tout simplement, souvenez-vous. Voilà, pile en face le GPS, vous voyez les deux grottes. Donc c'est la même grotte, hein, souvenez-vous, c'était le dernier patch qu'on avait donc visité ces fameuses grottes. Et derrière, il y avait des constructions, il y avait des maisons. On appelle ça des villages abandonnés. En fait, c'est des petites cabanes en bois. Et souvenez-vous, je vous disais encore, ouais, ce serait trop bien de pouvoir les rénover, ce serait trop bien de pouvoir habiter dedans. Bref. En revanche, il n'y avait rien à récupérer. Il n'y avait jamais de loot. Ça servait à rien en fait. Ils ont mis des maisons, mais à part pour la déco et pour l'aspect survival forest, machin. Mais ça servait à rien, il n'y avait rien. Et ben maintenant, ils sont dedans. Voilà. Donc vous allez comprendre très vite où je veux en venir avec mon coup de gueule. Mais voilà. Il va se détendre. Il va se calmer. Il va se prendre un petit Red Bull dès le matin au petit-déj. Tu vas voir, toi. Tu vas boire, mon pote. Voilà, bois. Fais du bien. Hein. On va prendre du riz aussi, c'est bon ça. C'est pas du riz ça, c'est des pâtes. Bref, on va y aller. Et c'est chiant parce que voilà en fait le fond de mon problème. C'est que c'est bien. Au moins les maisons en bois vont servir à quelque chose. On en reparlera quand on y sera là-bas, hein, d'accord. Ça va servir à quelque chose, c'est cool. Mais oh purée, attendez, juste pour le kiff. Pardon, excusez-moi hein. Juste pour le kiff, venez, comme j'ai encore le truc pour monter. On va décoller de là-haut. Ça sert à rien, c'est juste pour le fun. Allez go. Mais ouais en fait c'est bien maintenant, ça sert à quelque chose les maisons. Mais pourquoi ne pas avoir fait ça tout de suite? C'est ça la vraie question. Pourquoi avoir attendu pour juste mettre deux plans de construction à la con? Alors je sais même pas c'est quoi les plans de construction en plus hein. Ça se trouve c'est génial, ça se trouve pas du tout mais... Alors il faut aller à deux endroits différents. Attention, j'avais pris des notes. Alors on a les deux grottes, ok.
Il faut aller à celle où il y a les au bord de l'eau et à celle. Oui, bah c'est bien ça. De toute façon, les deux sont presque ensemble. Allez, go! On y va, les amis, de retour donc. Allez, cette fois-ci, je vous fais pas de coupure. On va voler ensemble, les amis, parce que c'est tellement kiffant en même temps. Ouh, c'est bon, une sensation. En plus, je joue avec le feu maintenant parce que je descends vachement bas. Hein. Ce qui est complètement con de ma part, mais voilà, j'aime bien jouer avec le feu. Allez, ça nous rappelle un petit peu les souvenirs. Ça nous permet aussi de nous retrouver sur cette carte. Ici, nous avons donc les yachts. Ah, les yachts, ils ont été déplacés au fait, regardez. J'ai vu ça dans le patch note. Voilà, regardez. Les bateaux, ils étaient pas là. Hein. Ils étaient un peu plus. Enfin, bref. C'était la petite parenthèse. Des fois, ils font des nouveautés, tu sais pas pourquoi. Mais c'est bon à savoir. Bon, y a pas plus de nouveautés normalement dedans, mais. Donc là, on a le terrain de golf. Bien évidemment. Juste ici. Très beau terrain de golf. Voilà. Je rappelle, il faut qu'on trouve des ampoules. On en prendra, vous inquiétez pas. Et on arrive au niveau donc des grottes et des villages. Alors, dans un premier temps, on va y aller en repérage. Comme ça, on est sûr. J'espère qu'on verra d'ici. Alors, normalement. Ah, je me souviens. Là, déjà, là. Là, normalement, il y a. Hein. Juste en dessous de nous, il y a une maison, normalement. Hein. Oh, ça paraît pas. Ça apparaît pas, j'ai trop le seum. Oh, c'est chiant. On est trop haut. Bon, là, normalement, il y en a une. Hein. Ah, voilà, ça vient d'apparaître. Là, il y a deux maisons. Il y a deux maisons ici. Mais il me semble que là-bas, il y en a aussi. Alors, on va y aller. Alors, c'est chiant parce qu'on pourra pas redécoller de là-bas. Ah, faut être intelligent hein, quand même. Hein. Il me semble que là, il y en a aussi. Et je suis même pas sûr. Oh, parfait. Et c'est là qu'il y a des orques et tout. Je crois. Je crois que là, il y a des orques à voir. Venez, on en profite. Est-ce qu'on va voir des orques? Oh là là, c'est magnifique! Je suis un génie, voilà. On va éviter de terminer dans l'eau, mais regardez les orques. Je sais même pas s'ils nous attaquent. J'ai envie de faire des expériences, mais en même temps, j'ai pas envie de mourir. Bah écoutez, on va se poser là. On verra si on pourra redécoller ou pas. C'est vrai que les orques, c'est quand même magnifique. La skip, c'est méchant. Non, ou c'est les dauphins qui sont méchants et les orques qui sont gentils, je sais plus. Bon, on va voir parce que maintenant il y a plein de nouveautés, je pense. Pas du tout. En tout cas, on va voir ce qu'il y a dans ces maisons puisqu'elles étaient vides jusqu'à présent. Et maintenant, il y a des trucs qui referment les portes. Incroyable. Et ben voilà. Des nouveautés, on a un nouveau plan. Ouais. Très bien. Des crânes. Oh, de la solafite. Alors ça c'est excellemment bon à savoir. Ça c'est excellemment bon à savoir. Oh, des flèches, merci. Oh, batterie. Alors par contre ça c'est cool. Il y a de la solafite, donc pas besoin d'aller miner. Pas besoin d'aller miner. On peut aller récupérer la solafite ici. Let's go. Ça me plaît. Ça commence à servir à quelque chose. Il n'y avait pas des tombes ici? Il me semble qu'il y avait des tombes. Ok, donc cette maison c'est cool. Déjà, vous voyez, tout de suite ça a plus d'intérêt quoi. Bah ouais, ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont lents, c'est tout. Ils ont pris du temps à faire des trucs. Bon, il y a du tissu, il y a une batterie, c'est cool. Il manquerait juste des ampoules. Ça, ce serait vraiment chouette. Bonjour. Des flèches. Ah, je peux pas plus. Ok. Je regarde s'il n'y a pas des trucs nouveaux là. Eh, n'empêche, c'est paisible. N'empêche, c'est paisible. Enfin, je trouve ça paisible. Alors,
C'est toujours un peu flippant ce genre de maison. La nuit, je peux te dire qu'on se chierait dessus. Mais je sais pas, c'est reposant quoi. Ah, je n'ai pas dormi depuis 3 mois. Ici, il y a quelque chose dans les grottes. Sans blague. Ça doit être un militaire qui a écrit ça. Je pense. De la solafite donc que j'ai déjà. On vérifie de rien louper. Impeccable. Ok, bah on a bien fait d'aller ici. Franchement, on a trouvé un deuxième plan. Donc le troisième plan devrait être dans les maisons plus hautes. Et donc ils appellent ça des villages abandonnés. Après moi j'appellerais pas ça des villages quoi. Parce qu'il y a trois maisons quoi. Bref. Je vais prendre le deltaplane. On va voir si je peux décoller ou pas. Mais là par contre ça me semble un peu mission impossible. Ah, si j'arrive à monter sur le toit. Est-ce que j'arriverai à monter sur le toit? T'imagines il y a un truc là-haut. Je suis le premier à découvrir. Non, il n'y a rien. Comment je peux faire pour monter? Est-ce que vous croyez que je peux monter au moins? Oh putain. Écoutez, hey, on va tenter un truc les gars. D'accord. Là si j'arrive à monter dessus, j'y arrive. Ok. Regardez messieurs dames, je vous fais un tutoriel. Ok. J'ai trop le seum. Voilà, j'ai trop le seum. Attendez. C'est pas grave, je réessaye une dernière fois. Parce qu'en vrai, il y a moyen, donc... Et voilà. Alors? Oh non, je suis allé trop bas. Non, je suis allé trop bas, franchement. Oh, c'est dégueulasse. Alors ça, c'est dégueulasse. Bon, j'avais réussi, les gars. Je déconne pas. Hein. Je déconne pas. Hein. Je suis juste allé trop bas. J'étais trop gourmand. Allez. Ok, regardez bien. Ok, on descend et on remonte maintenant. Voilà, et ça part messieurs dames. Alors, c'est qui le boss du deltaplane là, dites-moi là. Franchement, moi je décolle d'où je veux quand je veux. Il y a encore les orques là-bas. Oh, c'est magnifique les orques. J'ai trop peur d'aller dans l'eau par contre. Regardez-moi. Oh là là là, quel spectacle. Ah, c'est pas du tout buggé en plus. Trop bien fait. Trop bien fait. C'est ça qu'on aime. Allez, direction du coup l'autre village abandonné. Alors, j'avais cherché sur la carte. Je m'étais renseigné comme je vous l'ai expliqué. Apparemment, il y a trois villages abandonnés. Donc là, il y en a un. Là, on va aller au deuxième. Et apparemment, il y en a un troisième. Mais là encore... Mais là encore... Attends, il y a un truc à aller voir là, c'est trop bizarre là. Ah, mais il y a plein de trucs ici. Ok, il y a des trucs à voir. On va mettre le deltaplane là. Bref, donc là on va au deuxième village. Mais apparemment le troisième village, il n'y a rien. Enfin en tout cas, j'ai rien vu de nouveau là-bas quoi. Hop. Alors. Bonjour. Bah il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. De la solafite. Ah! Je me suis fait arnaquer. Je me suis fait... Non, 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 il y a une autre maison là-bas, je crois. Il y a une autre maison là-bas, je crois, non? Ou je dis des bêtises? Non, il n'y a pas d'autre maison. Ah, j'aime bien la corde. Il n'y a pas d'autre... Ah, putain, je me suis fait arnaquer. Là, il me manque un plan de construction. Ah, bah, il est peut-être alors dans le troisième village. Alors là, j'ai un doute qui s'installe. Mais attends, mais c'est bizarre. Attendez, on va quand même rechecker. Je vais me reprendre. Je vais boire de l'eau sale. Voilà. Oui, oui, fais pas la chouchoute. Hein. Ça reste de l'eau quand même. Tu sais, il y en a, ils peuvent pas boire. Hein, donc, c'est la phrase de merde. Alors, je recommence. Parce que si je l'ai loupé, bah, j'ai l'air un petit peu bête. La solafite. Il n'y a pas de table. De toute façon, je l'ai sûrement loupé ici. Que dalle. Et ben, il est sûrement dans l'autre village. Et l'autre village, il est bien plus loin. Là-bas, a priori. C'est là où il y a, oui, il y a le grand étang.
Et ben il serait là-bas au niveau de la pointe. Là, vous voyez le point nord là? Bah le point nord, bah, il devrait être là-bas. Par contre, du coup, il y a des trucs qui m'ont troublé. Juste en bas. Alors on va y aller. On en profite, c'est d'exploration les amis. Et j'avais jamais vu ce qu'on va voir là. Vous avez vu, il y avait des bidons en fait sur le long du chemin là. Là, on a des tentes. Mais il n'y a rien à récupérer en général dans ces tentes. Donc on s'en fout en vrai. Et là, il y a des bidons. C'est pas si ouf que ça en vrai. Hein. Non, mais en vrai, il n'y a rien, les gars. Venez, on n'y va pas. On en profite d'avoir de l'altitude et. Oh merde! Allez, on va aller voir le dernier village, du coup, les amis. Ah, mais là, il y a un vrai village là. Bonjour à vous. C'est quand même bien le deltaplane. Quand tu sais l'utiliser, c'est quand même bien. Je rappelle, les amis, on passe devant la fin du jeu. Pour le kiff. Regardez. C'est juste ici. Le bunker. Oh le bug. Le bunker final. Je rappelle que j'ai juste allé là-dedans et on termine le jeu. Bon enfin ça se finit pas comme ça non plus mais. Donc on va pas le faire, évidemment. Ok, donc on continue. On se refait un tour de l'île mais c'est pas comme l'autre fois où on est perdu je sais pas quoi. Là ça sert à quelque chose. On sait où on va. C'est ça l'avantage. C'est bon, dire, sensation. Il y a tout plein de villages indigènes, j'adore. Ok, on y arrive. Mais normalement, ça va être par là, quoi. Je sais pas où, j'ai jamais vu le village ici en vrai, non? What? C'est vrai, ça, j'ai jamais vu de village ici. J'ai l'impression que je suis jamais allé là. Ouais. Oh c'est ici putain. Eh je suis jamais allé là les gars non? On est jamais allé là? Wesh. On est jamais allé là? Je suis trop content. Et pourtant on y est passé par là hein. Alors on va pas le mettre sur le toit parce que sinon c'est chiant. Et là on pourra redécoller. Incroyable. Je suis jamais allé là les gars. Ça me dit rien du tout. Incroyable. Bon c'est sûrement ici le dernier plan à découvrir. Hop là du fil. Eh hey, s'il te plaît donne moi des ampoules. Et pas au pied hein. MDR. Y'a rien. Y'a rien. Bon ce serait bien de trouver parce que si on trouve pas, c'est qu'on a loupé un plan à quelque part. Putain je me chie dessus wesh. Imagine on voit un cadavre dans les. Oh des ampoules. Let's go! Oh, c'est bon, c'est là. On a le dernier plan, les amis. Et c'est une. Chaise. Ah, dégueulasse. Ok. Trop bien. Et des batteries. Et j'ai plus de place. Par contre, j'ai des ampoules, trop bien. Et du fil. Imagine, il y a un méchant qui me prend en gangbang là. Okay. C'est bien là maintenant qu'il y a des trucs. Au moins ça sert. Mais pourquoi il... Avant il n'y avait pas, c'est chiant. Oh là, today nous sommes le 18 octobre 1979. What? 1979. Bon retenez bien cette date. 18 octobre 1979. Soit le mec remonte dans le temps. Ah oui d'ailleurs vos suggestions là Vos hypothèses sont excellentes hein, par rapport au dernier épisode là et le vaisseau spatial. Après tout va dans ce sens, je pense qu'il remonte le temps. Mais là ça me paraît bizarre cette note. Quand même. Allez superbe. J'ai tout récupéré en plus. Ouais. Ah, c'est assez curieux parce que. Est-ce qu'on peut voir toutes les notes qu'on a sur nous là en vrai? Attends, on va ouvrir la bourse aussi. Tant qu'on y est. J'adore cet épisode hein. Il est presque mieux que le dernier hein. Parce que là il se passe des choses hein. On peut pas voir les notes là. Allez voilà. Pamphlet de culte. Brochure d'Allspring. Couverture d'album. Livre. 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 Ah non mais là c'est des livres. Ils sont où les papiers? Y a pas les papiers parce que moi j'aimerais bien lire. Ah peut-être.
Mais là, c'est peut-être pas le bon moment de le faire, mais si j'ouvre. Mais non, on peut pas ouvrir. Il n'y a pas de livre là. Superbe. Ok. Il n'y a pas un truc où ça nous permet de voir notre état de santé, etc. Putain. Non mais je suis sûr qu'il y a moyen de voir les papiers. On peut forcément voir les papiers à tout moment. Ou je suis aveugle, c'est sous mes yeux et je les vois pas et vous êtes en train de crier. Là, il y a les bouquins en bas à gauche, mais il n'y a pas les papiers. Bon bref. Ça me paraît bizarre, je vais me renseigner, je vais voir si on peut retrouver tous les papiers. Parce que à mon avis si on sait pas nager et qu'on a papier, c'est chiant quoi. Excellent. Allez, bah les amis, ouais, bien toi. On rentre à la base. Je vais décoller, bon là vous savez que je vais y aller sans. Ah, ça c'est problématique. J'allais dire sans aucun problème, mais bon, c'est un petit peu faux. Là, ça va aller, évidemment, vous me connaissez, Zewerdy, des sensations. Surtout des bisous, je vous retrouve une fois qu'on sera de nouveau à la base. Et on va déjà bientôt pouvoir s'en arrêter là. Mais non, on va faire le stand de tir. Vous inquiétez pas. Ah oui, puis on va voir les nouvelles constructions qu'on vient de débloquer aussi. Enfin, il y a encore des trucs à faire, quoi. Allez, à tout de suite. Mais c'est sympa, ici. Et en vrai... Bon, il y a plein de villages à côté, mais... C'est sympa, là. Je sais pas si c'est ma construction qui est pas terminée, qui est en surbrillance. Ou est-ce que c'est la balise qu'on avait placée. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, j'adore le deltaplane. Voilà, si ça pouvait aller encore plus vite, ce serait génial. Mais j'adore le deltaplane. Et hop là. Alors je sais pas c'est quoi du coup qui... Toi tu vas rester là hein. Je sais pas c'est quoi qui est en surbrillance. Est-ce que c'est... Ah oui c'est ça. Enfin je pense. Je sais pas c'est... Bah là du coup on est trop proche. Mais il y a un des trucs qui est en surbrillance à chaque fois qu'on est loin. Mais je pense que c'est la balise. Bah écoute c'est trop bien. Bah écoute je vais placer les ampoules et je les chercherai. En fait c'est ce que je vais faire en off. Je vais aller chercher les ampoules directement dans les bunkers. Puisque justement il y a le terrain de golf qui est à côté. Je pense pas qu'il est plus proche. Mais le bunker du terrain de golf, il y a des ampoules de toute façon dedans. Donc hop, j'ai juste à choper les ampoules à chaque fois. Et puis ça devrait aller, pas trop loin. Donc je pense que je ferai ça, histoire que pour le prochain épisode ce soit quand même fini, parce que bon, on va pas se mentir, sinon c'est terrible. Ok. Bon, ça c'est fait. Alors les constructions, ben on va aller voir du coup c'est quoi ces fameuses constructions. Oh là, mais on voit rien du tout en plus là. Ok, en plus c'est dans les notes. Donc ça on connaît maintenant. Et encore, ça on n'a pas pu encore voir puisqu'on n'a pas assez d'ampoules. On a une chaise effrayante, canapé effrayant. Et ça c'est le nouveau piège. Qui demande... ok, bah écoutez, attends, je pense qu'on a ce qu'il faut en plus. Donc ça tomberait super bien là de l'essayer. Je vais le mettre genre là, parce que c'est par là qu'ils viennent à chaque fois. Ok. Faut juste des pierres. Bon, ça, les pierres, c'est franchement pas un problème, j'ai envie de te dire. Une, deux, trois. Impec. Des bâtons. Ok, ok, ok. Oh purée, il me manque un bâton. Genre. Genre, il me manque un bâton. Eh frère. Ah mais non, mais je suis con. Je suis débile. Heureusement que j'avais encore un petit stock ici. J'allais casser le bazar. Oh non, j'ai pas d'os. Oh, j'ai trop le seum. Pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des méchants qui viennent. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va les faire venir. Bon, oui, les gars, si déjà. Alors, attendez, on va manger, on va boire, parce que là, c'est un peu la catastrophe. Et on est là pour s'amuser, on va faire un peu de fight, ça va être très très bien. On brûlera les cadavres, on aura des os, et voilà, quoi. On sera plutôt pas mal. Autant s'amuser en plus, parce que c'est un peu le but. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'ailleurs comme upgrade? Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas mettre la solafite? What? Comment? Bon. Qu'est-ce que je vais upgrade? L'arbalète? Non. Oh, le revolver. Non, en vrai, je sais même pas quoi upgrade. Parce qu'au fond de nous, on a le katana, la hache. Qu'est-ce qu'on pourrait upgrade, les amis? La tronçonneuse. Oh. À
Attends, mais c'est bugué mon truc. Ah, faut que je me mette accroupi. Ok. Ah. Bon, bah, j'ai pas besoin de les attirer. Ils sont venus à moi tout seul. Eh, regardez-le! Magnifique. Bon, personne se l'est pris, mais c'est pas grave. Alors, ça. Wesh! Oh, bâtard, tu fumes! Donc, ça, c'est les nouveaux, apparemment. Alors. Ah, oui, d'accord. Alors, il faut que je. Vous m'avez dit en commentaire, je dois faire un truc avec eux. Oh! Wesh! Violent, mec! Violent, mec! Alors, je récupère tout ce que je peux récupérer d'eux. Apparemment, on peut faire des soupes. Ok, j'ai récupéré plein de trucs. Moi, de toute façon, ce que je dois faire, c'est que je dois faire un feu, là. Il faut faire un feu. Les bâtons. Voilà. On va juste remettre les pièges en place. Ils ont servi à rien, mais c'est pas grave. Ah, c'est cool, on a même pas eu besoin de les attirer, quoi. Ils sont venus par eux-mêmes, ils ont entendu mon appel. C'est trop bien. On va faire un petit feu. Bon, j'ai sûrement un feu à côté, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, c'est fait. On les brûle, on fait les os. En plus des crânes, bah c'est bon, j'en ai 3 sur 2. Donc ça, c'est parfait. Allez, ça dégage. Grosse merde. Oh non. Oh non. Oh, j'ai fait une erreur. On n'a rien vu. Oh, j'ai juste mangé une jambe. Wesh, tu m'as fait peur. Faut arrêter ça. Kaline ne va pas dans le feu. Enfin, sois pas débile non plus. Bref. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, on va faire cramer tout ça. Faut voir du coup la soupe qu'on va pouvoir faire. Je sais toujours pas du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir upgrade en vrai. Hein. On peut pas upgrade la. La tronçonneuse, quoi. Bon, bah écoutez. L'arbalète. Non, pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas la mettre? C'est bugué depuis que j'ai fait la pierre autour ou quoi? Ah oui, Calvin il est bien là. Ah, Calvin il est bien. Allez hop. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Bon, les os sont trop, on s'en fout. On va placer ça. On va voir comment ça se passe. Ok, le piège est en place. Oh, c'est un piège électrique. Bon, vous avez compris que de toute façon, tout ce qui arrive là, c'est que d'électricité. Hein. C'est que d'électricité. Je vais récupérer, bah écoutez, les os là. C'est le moment de faire de l'armure, j'en profite. Vous savez pourquoi d'ailleurs? Parce que Jean, c'est un sacré profiteur. Vous avez la ref. J'en profite. Allez, merci à tous, n'oubliez pas le like. Évidemment, je suis en spectacle dans toute la France. Un petit peu chill cette fin d'épisode. Et ça, ça me fait plaisir. On va attirer du coup les monstres pour voir le piège, comment il fonctionne. Mais encore pour ça, il faudrait activer le bazar. Donc, il faut vraiment qu'on trouve un truc à améliorer. La perle. Je peux pas mettre la perle. Non mais là, il y a un truc qui m'échappe là. C'est moi qui suis débile. Bon, attendez. Un truc que je sais qui marchera, c'est le revolver. Ah, le revolver, ça marche. Ok. Et du coup, je peux pas mettre pistolet à corde. Non. C'est de la merde, on peut rien faire. L'arbalète. On peut vraiment pas l'arbalète. J'ai trop le seum. Mais c'est trop nul. On peut rien faire. Non, c'est trop nul en vrai. Le truc de golf, vas-y. On va mettre le truc de golf, c'est rigolo. Allez, let's go. On va se mettre au piège là-bas. En attendant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Oula, par contre ça, un petit peu moins quand même. Un petit peu moins. Allez, venez voir. Venez voir. Ah. Bah c'est pas ouf. Bah c'est clairement pas ouf. Ah oui, ça attire la pluie aussi, c'est bien ça. Oh, je suis mort. Oh, je suis mort. Les mecs.
Alors, je pensais pas que ça allait autant partir en couille. Alors, on va mettre l'armure effrayante, bien sûr. Bonsoir. Wesh, ils s'attaquent entre eux. Énorme. Oh, d'ailleurs, faut que je vous parle de... Wesh. Faut que je vous parle du patch. Il y a un truc qui a changé, j'ai vu ça aussi dans la patch note. Voilà, vous voyez ce truc là qui tourne sur lui-même là, qui... Oh bâtard. Et le fusil à pompe il est dingue. Hein. Oh non. Oh là là. C'est bon. Il est mort, tout le monde est mort. Et Kelvin n'est pas mort. Alors, vous vous souvenez quand on avait fait la maison sur le lac gelé et qu'il y avait ce fameux mutant présentement là, ça que je vais dépecer, et ce truc passait à travers les murs. Vous vous souvenez, c'est pour ça que j'ai voulu déménager d'ailleurs. Le truc passait à travers les murs, c'était une angoisse quoi. Et ben maintenant c'est patché et il ne traverse plus les murs. Voilà, c'est trop bien. Il faut le savoir. Ok, bon, on s'est bien débrouillé en vrai. Par contre, le piège, il a rien fait. Hein. Oui. Par contre, faut se souvenir, si jamais on a plus d'eau, on active le machin, il y a la pluie qui arrive et c'est formidable. Ah si, le piège a marché. D'accord. Bah, c'est bien de la merde. Bon, c'est, je pense, un truc qui les bloque et qui les électrifie, quoi. Ça a pas l'air terrible. Hein. Un peu déçu. Un peu déçu. Ça va, Kelvin? Oh là, il a pris cher. Ça, je prends. Ok, bah écoutez, on va prendre la putter. Voyons voir. Oh waouh. Magnifique. Aïe. Attends, je vais récupérer de nouveau des munitions tant qu'on y est, les gars. Voilà. Et on va se mettre en sécurité à notre base. On va faire la cible, on va faire le bouillon également. On va voir si on peut faire le bouillon spécial. Hop. Alors j'espère que ça va bien se passer. J'ai peur. Ok, c'est bon. Alors, déjà ce qu'on va faire. On va s'enfermer. On va sauvegarder. Et on va prendre ça et ça. Et on va voir si on peut faire ce que vous m'avez dit. Et on va pouvoir s'en arrêter là pour cet épisode qui est quand même relativement cool. Alors j'ai la marmite. Qu'est-ce que je peux faire? Une soupe de poulet aux nouilles. Ah, il faut que je fasse Greg. Regardez, c'est Greg. Je m'en souviens, en commentaire. La recette Greg, il me manque une tête. Ok, bah je vais chercher la tête. Je vais chercher la tête. Il me faut une tête. Ouais. Il me faut une tête. J'espère que les corps sont encore là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre. Si ça se trouve, c'est une très mauvaise idée. Attends, ils étaient où les indigènes, là? Oh non, bah ouais, mais je les ai cramés. Ah non. Comment je vais faire pour trouver une tête? Ah, j'avais mal anticipé ce détail. Je ne savais pas. Il me faut une tête. Bon, ben on va attendre qu'ils viennent à moi. Ah, c'est chiant. Eh oh, les indigènes, j'ai besoin de vous. Bon. Ah, j'aimerais vraiment goûter la recette. Bon, attendez, on va quand même faire un petit tour là. Il est quelle heure? Il va être 17h, le soleil va se coucher. Complètement dingue. C'est beau hein. C'est très très beau. Bon là on va voir s'il y a des méchants ou pas. Eh ben écoutez, j'ai éradiqué tout le monde. Y'a personne qui se promène. Parce que souvent on les voit là quoi. Vu que c'est de là qu'ils viennent. Oh j'ai trop le seum.
Bon les amis, on saura quoi découvrir dans le prochain épisode. Salut Kevin. Dans le prochain épisode, faudra qu'on découpe une tête. J'ai pas de tête genre. Ah non, j'ai plus de tête en fait. À chaque fois, je les ai jetés comme un débile. J'ai des crânes, j'ai des bras, des jambes. Et j'ai pas de tête. Si, j'ai une tête d'élan. Tête de mouette également. Faudra que je les pose tout ça. Ah, c'est con. Bon, prochain épisode, on va découvrir du coup cette recette. Fais attention au piège. Ah, la pluie qui s'arrête, c'est bien ça. Soit au prochain épisode, ou soit là, à la fin de l'épisode, ça se trouve, on va entendre quelqu'un arriver. Qui sait? Merde. Hop. Si je saute maintenant, il se passe quoi? Ah, bah c'est bien ça. Ok, y'a pas. Attends, j'ai peut-être mis une tête là. Non, y'a pas de tête. Fais chier. Bref, on va mettre le stand de tir. Attendez, on va voir où c'est qu'on peut poser ça. Ce serait pas mal. Attends, c'est où? Déjà, c'est où? Oh là là là, mais je suis tellement nul. Allume la lumière déjà. Ah oui, on voit quand même déjà bien plus clair. Où est le papier? Oh mon dieu, je dois être insupportable. Je ne m'en sors pas. Voilà, je ne trouve pas mon inventaire. Mais comment c'est possible? Comment? Eh les gars, rassurez-moi, vous voyez pas la cible en papier là? Elle est où ma marmite? Ah oui, ma marmite elle est sur le feu, ça c'est normal. Je dois passer pour un sacré con. C'est possible. Mais je sais pas du tout où est le... Cible en papier, oui je l'ai bien prise. Eh bah c'est bien. C'est super. C'est super. Non c'est sûrement à droite. Putain les gars, je me sens... Là c'est les bâches. Ouais non, là c'est vraiment craignos les gars. Ce que je vous propose c'est craignos, mais j'adore ce qui se passe en même temps. On est bien d'accord que... Là, les cibles en papier. Ah, elles sont entre la bâche et le réservoir d'air. Attendez, ça peut m'aider. Bâche. Oh regardez, incroyable. Eh oui. Eh, on se fout vraiment de ma gueule hein. On va foutre ça. Je vois rien du tout. Oh bâtard. Oh je me suis chié dessus. Oh je me suis fait auto peur avec mon propre piège. Ok c'est bon, je dors, j'ai trop peur. Oh non c'est, j'ai trop peur, je redors. On est en train de perdre plein de jours. C'est pas grave. J'ai beaucoup trop peur. Oui allez, arrête de boire, tiens bois de l'eau sale. Ça te changera. Oh regardez moi le lever de soleil. Il est beau hein. Il est beau le lavabo. Bon le papier. C'est vrai qu'on peut mettre ça sur un arbre aussi. Ça peut être sympa aussi. On peut mettre ça là. Ah, on peut même pas mettre contre le... Dans la roche, quoi. Ah, merde. Placé. Ah, si, attendez. Ah, voilà. Ah, ça, c'est chouette. Ah, ça, c'est très chouette. Ouais, mais là, je peux pas. Mais là, je peux. Ah, ça, c'est chouette. Voilà. Et donc là, on peut s'entraîner avec l'arbalète. L'ariadé, je vais tirer en plein milieu. Et voilà le travail. Là normalement je suis pas trop mal. What? Qu'est-ce qu'elle fait là la flèche? Vous vous foutez de ma gueule? D'accord. Ah oui. Là je l'ai, regardez. Ah c'est pas mal. Je suis sur du... Ah, hey, c'est du 8 ou du 9 là? Dites-moi en commentaire, vous m'accordez le 9? En vrai je suis plus sur le 9 que sur le 8. Incroyable. Ok, bon, ça au moins, c'est cool, c'est fait. Oh, de l'aloe vera. Mec, incroyable. J'ai eu de l'aloe vera. Alors ça, par contre, il faut faire très très gaffe avec. Oh, allez, aloe vera, j'ai pu récupérer de l'aloe vera. Alors là, mon pote, je vais replanter de la graine d'aloe vera. Il faut absolument pas perdre ce truc au milieu. Et j'ai presque envie de replacer une jardinière avec de l'aloe vera. Parce que l'aloe vera, messieurs, dames. Et oui, cet épisode dure encore plus longtemps que prévu. Et bah, c'est cool. Voilà, j'espère que vous êtes contents. C'est où qu'on fait les jardins? C'est ici. En plus, c'est clair maintenant. Alors, est-ce que je peux mettre contre le mur? Oh non, incroyable. Comme ça, je ferai pas de bêtises. Hop, hop, hop.
Et là pareil, je vais mettre l'aloe vera. Oh, il y a des coups de feu, j'arrive. Let's go, on va pouvoir manger notre soupe. Virginia est de retour. Ia ia oh. Oh, c'était une brute. Ah, il y a du... Oula, mais c'est qu'il y a du people. Mais c'est qu'il y a du people par ici. Venez... Oh, la brute, elle s'est fait avoir. Venez voir mon piège, les gars. Venez voir, là. Faut qu'on essaye le piège. Viens, dé. Mais c'est que sa gueule. Allez, venez. Mais non. Mais Virginia, tu fais tout le boulot. Oh non, Virginia, c'est pris une flèche. Attends, je te l'enlève. Oh. Bah, monsieur. Vous êtes cringe. Bon, je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent peut-être manger un petit peu. C'est possible. Bon, allez, j'ai compris. Wesh. Wouah, Virginia. Allez, je prends sa tête. Oh, elle est partie où? Là. La coquine. Voilà, j'ai récupéré sa tête. On va manger une soupe, les amis, en cette fin d'épisode. Et il se passe des trucs de ouf. Les brutes, elles sont vraiment connes, hein, quand même. Attends. Voilà, je t'ai soigné. Hop, je récupère ça. Ça. Et on va pouvoir faire la soupe, c'est incroyable. Bon, le piège, je sais toujours pas à quoi il sert. Enfin, si, mais on l'a jamais vraiment vu en action, quoi. Allez, eh ben les amis, on va pouvoir s'en arrêter là avec une bonne soupe. Je ne sais pas ce qui va se passer. On m'a juste dit, et je suis désolé, je me souviens plus qui exactement a mis le commentaire. Mais je me souviens juste qu'il a dit que les effets sont vraiment pas mal. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, je vais être déçu. Bon, dans tous les cas, je fais une sauvegarde parce que je la sens pas, cette histoire. En fait, je suis sûr qu'il va y avoir un ascenseur émotionnel parce que je m'attends... Pardon, je m'attends à un truc comme sur Far Cry, pour ceux qui ont la ref. Tu sais, quand tu prends certains champignons. Alors que là, ça se peut, on va juste avoir la tête qui tourne et puis c'est tout, quoi. Mais bon. Allez, on allume le feu. Allumer le feu. Ok. Alors. Ah merde. C'est pour ça que je voulais faire, moi. Ok. Greg. Alors Greg, j'ai ce qu'il faut. Ah, regardez, ça monte les effets. Alors ça donne à boire, à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on me voit plus, j'ai plus de force. Ah non, je suis plus discret, j'ai plus de force. Ok. Comment je fais? Comment je fais? J'ai ce qu'il faut là. Ah non, mais je suis trop con. Il faut que je fasse la recette. Donc je mets la tête. Très bien. Je mets les bras. Dégueu. Non mais c'est la cuisine cannibale. Voilà. Ouais, c'est Greg. Eh ben on va voir. On va voir, les amis. J'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur. Je vais enlever ce feu là qui sert à rien. Voilà. J'ai très peur de ce qui nous attend. Mais genre vraiment. Et en même temps, je me dis que je vais peut-être être déçu, quoi. Complètement dingue. Bon, j'ai encore une carapace de tortue sur moi. Alors j'en profite. Oh, mais c'est quoi ce nouveau contre-jour, là, depuis tout à l'heure, là? Déjà, quand il y avait la neige et tout, on voyait rien. Alors, comment on fait? Collecteur d'eau, collecteur d'eau. Là. Voilà. Comme ça, prochaine pluie. Ça régale. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Et voilà. Allez les amis, c'est le moment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Franchement, si c'est le cas, c'est maintenant ou jamais. Le pouce bleu qui fait plaisir. Merci d'avance. Et je suis content parce qu'on aura vraiment en deux épisodes tout exploré du nouveau patch. Et même peut-être plus finalement. Et ça c'est cool. Franchement c'est trop trop bien. Voilà, un petit peu long quand même là. On va rajouter un peu de... d'ébullition. Ça y est. Casserole Greg récoltée. Je bois? Allez, on va boire. Attendez, je vais boire avec mes compères là-haut. Je préfère. Je vais boire avec mes compères. On va se poser tranquille. Voilà.
Et en plus, il y a des méchants. Ah non, c'est Virginia. Ah si, il y a des méchants. Ok. Allez, bah c'est maintenant. C'est maintenant. Je vous souhaite un bon appétit. Effet du bonus. Ok. Alors écoutez, on voit les bonus en bas à droite. Je sais pas quoi ça veut dire. Alors il y avait un méchant là-bas, on va voir si ça change quelque chose. Monsieur, vous me voyez pas, c'est ça? Ou vous me voyez? Ou ça se trouve je suis invisible? Ah non, il me voit. Ça va mon ref? Ok. Oh là. Oh putain, bien joué mec. Ok. Vous faites le singe. Voilà. Mais ça sert à quoi du coup cette potion là? Attends, je vais prendre la hache pour voir s'il se passe un truc là avec ça. Superbe. Ah? Bah non, ouais, c'est parce que la hache elle est améliorée que en deux coups ça casse. Elle sert à quoi la potion, les mecs? Ah, je peux courir plus longtemps. Je m'épuise moins, regardez. Quand je cours, je m'épuise un petit peu moins. D'accord, ok. Bon alors, a priori, t'as plus de force. Tu t'épuises un peu moins et je pense qu'on te voit un petit peu moins. T'es un peu plus discret. Ok. Après c'est pas si ouf que ça entre guillemets parce que bah j'ai déjà une hache améliorée. Alors forcément. Et alors enfin ça t'épuise moins, c'est vite dit parce que vous voyez. Ah je pensais que ça allait me faire des effets secondaires, que j'allais aller dans l'espace et tout. Enfin je sais pas, je m'attendais vraiment à. Pour être honnête, je m'attendais vraiment à ce que je vole ou je sais pas. Wesh, il m'a fait peur lui. Eh vous sortez d'où? Pourquoi vous sortez de la gauche maintenant? Pourquoi vous sortez de là? Il y a jamais. Oh là. Ils sont jamais venus de là? Oh, j'aime pas quand les choses changent. Wow! Malade! Oh, les crèves en silence. Eh, mais use pas toutes tes balles, toi. Ok. Bon, je suis un tout petit peu déçu de la potion. Et qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu es fâché? Mais il faut pas être fâché comme ça. Mais Virginia, laisse-moi faire. Voilà. Eh ben bon, bah c'était bon à savoir. Voilà, je m'attendais vraiment à ce que je vole en vrai, un truc comme ça. Mais c'est pas grave, c'était bien sympa. Merci pour le conseil quand même. C'est bon à savoir, cette petite potion là. Eh, vous êtes bien mignons, vous deux là. Franchement. L'équipe de choc. Vraiment. Allez les amis, on se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure. Prochaine mise à jour dans une semaine ou deux, je crois. Donc c'est pas pour demain la veille. Donc patience, patience, patience. Moi j'ai bien kiffé et je vous retrouve, je l'espère, très vite. Je pense quand même samedi prochain, pour être honnête avec vous. Hop les... Allez, super. Allez, plein de bisous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.